mis un test, là. Oh non! J'ai coulé le dernier. Il faut que j'aille une super bonne note si je veux passer. T'as pas commencé à étudier? Ah, t'as le temps. C'est juste sur le pluriel des noms composés. Et je peux pas étudier ce soir, là. Mon père vient chez nous. Il faut qu'on parle de la carte partagée. Belle soirée en perspective. Je sais que ça doit pas être facile pour toi. Je sais vraiment pas comment je vais faire pour passer. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ben, si jamais, là, demain, j'ai de la misère, est-ce que je pourrais regarder les réponses sur ta feuille? Tu veux tricher? Je veux pas tricher, je veux juste le coup de main d'une amie. Qu'est-ce que je suis supposée répondre à ça, moi? Tu travailles encore là-dessus? C'est pour mon émission. J'aimerais ça qu'elle soit meilleure que la dernière. Ah, oh, j'ai hâte que le débat commence. T'as hâte de me voir gagner? Stratégie numéro un pour affaiblir l'adversaire. Lui faire croire qu'elle n'a aucune chance de l'emporter. T'es pas nerveux, toi? Non, non, moi ça va. Stratégie numéro 2, lui faire croire qu'on est calme et en contrôle. Salut! Alors aujourd'hui, c'est la finale du débat. Kim Bellavance va affronter Gary Bob de Rome. Le gagnant va être choisi par un vote du public. Le sujet du débat, toute vérité est-elle bonne à dire? Alors, Kim doit défendre l'opinion selon laquelle non, toute vérité n'est pas bonne à dire, alors que Gary Bob doit défendre le côté oui, toute vérité doit être dite. S'il vous plaît, prenez place! OK, Kim, tu peux commencer. Je pense pas que toute vérité soit bonne à dire. Il y a des choses qu'on sait pas qui nous font pas de mal. Elle sera pas trop dure à battre? La vérité est importante quand elle permet d'apporter un éclairage nouveau sur une situation. Le plus souvent, quand on dit la vérité, c'est pour nous faire du bien à nous, et non à celui à qui on l'a dit. Bien. Gary Bob, à ton tour. Après ça, le débat pourra commencer. La vérité est la pierre angulaire d'une relation solide. Nous ne pouvons rien bâtir sur des mensonges. Hein, la structure érigée risquerait de tomber lorsque le mensonge serait découvert. Je comprends rien. C'est sûr qu'il va gagner? Et la vérité est mouvante. Eh bien, c'est parce qu'elle évolue. Comment la faire évoluer si on ne fait que se compter des mensonges? Ne vous demandez pas ce que votre premier ministre peut faire pour vous. Mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre premier ministre. Si je me rends là, il faut que je commence par gagner le débat. Alors allez-y, le débat commence. La vérité, c'est un concept flou. Comment on fait pour savoir qu'on a la bonne version de la vérité? La vérité est un consensus. Hein? Si une majorité de gens pensent ou pensaient la même chose, c'est la vérité. La plupart du temps, quand on dit la vérité, c'est juste pour pas se sentir coupable. Oh, mais si on a mauvaise conscience, ça veut dire qu'on a mal agi. La vérité peut blesser des gens. Stratégie numéro 3, enfoncer le clou du cercueil avec un argument choc. Ah, mais, comme disait Diderot, les avantages du mensonge sont d'un moment, et ceux de la vérité sont éternels. Mais les suites fâcheuses de la vérité, quand elle en a, passent vite, et celles du mensonge ne finissent qu'avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça le dit. Ben, ça veut dire que les mensonges font mal, mais que la vérité peut le faire encore plus. T'es en train de dire qu'on est mieux de pas dire toute la vérité? Mais non, je veux dire que... Gary Bob, reviens, là, c'est pas grave. Gary, attends! Y a pas de quoi rire, c'est pas facile de parler en public. Bon, ben, le débat est terminé, merci d'être venu. Je pense que Karine trouve ça dur, la séparation de ses parents. Même qu'il est sur le bord de couler en français. C'est sûr que ça peut être difficile de se concentrer et de s'intéresser à ses devoirs quand tes parents sont en train de se séparer. Mais quand vous avez divorcé, moi, mes notes ont pas baissé. Non, toi, c'était le contraire. T'as jamais autant étudié. Même que ça m'inquiétait un peu de te voir toujours le nez dans tes livres. Puis tu te chicanais beaucoup avec Manolo aussi. Mais pas Karine.
Elle, là, elle fait vraiment attention à sa petite sœur depuis que ses parents se sont séparés. Hmm. Elle, c'est vraiment à l'école qu'elle a de la misère. En tout cas, elle est chanceuse d'avoir une amie pour l'aider, hein? Mm-hmm. Toi, c'est quoi ton nom? Moi? Moi, c'est Marianne. Non, 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 je fais juste ça à temps partiel. J'étudie au cégep en design. Toi, tu vas à quel cégep? Mais là, t'en veux-tu un abonnement, oui ou non? Mais là, bye! Affaire Plus est pour les gens dans le vent qui n'ont pas peur de prendre leurs chiffres en main. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui rêvent de s'abonner à Affaire Plus, mais qui ne savent même pas. T'avais pas envie de choisir quelque chose d'un petit peu plus proche de tes intérêts? Le téléphone, c'est un de mes intérêts. Et puis, il faut que t'en vendes combien? 10, sinon j'ai pas la prime. Mais toi, belle maman, je suis sûre que tu rêves de t'abonner au magazine Affaire Plus. Oui, c'est tout à fait mon genre. Je suis sérieuse. Mon père et toi, vous êtes toujours serrés financièrement. Grâce à Affaire Plus, vous pourriez trouver des façons de dépenser plus intelligemment. Mm-hmm. Comme ça, on pourrait vous en donner plus pour que vous le dépensiez inutilement. Non, merci. Mais je trouve que tu t'en viens pas mal bonne vendeuse, par exemple. Merci. Ça devrait me prendre une heure tout au plus. C'est cool, c'est de l'argent vite fait. Où tu t'en vas? Je m'en vais essayer des autos. Bien là, ça fait plus qu'un mois qu'on roule avec celle des assurances. Claude va venir me joindre chez le concessionnaire. On va être de retour pour le souper, OK? OK. Ciao. Bye. Toi, Marianne, est-ce que tu ferais n'importe quoi pour une amie? Ça dépend de l'amie. Pour Annabelle, mettons. Ben oui, pour Annabelle, je ferais n'importe quoi. Même quelque chose de grave? As-tu l'intention de parler dans un cours? Parce que ça serait grave pour toi. Ben non, pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'elle veut, ton amie? Ben, ça va pas très bien chez elle, puis elle a juste besoin d'un petit coup de main à l'école. Ben, si ton amie compte pour toi, faut que tu l'aides. Je l'aime, Karine. Elle a besoin de moi. Est-ce que ça veut dire que je suis obligée de tricher? Enfin, un endroit pour avoir la paix. T'es là? Je te cherche depuis ce matin. Si tu veux des félicitations pour hier, t'es à mauvaise place. Non. Je veux juste parler avec mon ami. Excuse-moi, là. J'ai juste pas le goût de voir du monde. Pour hier, c'est beau. J'ai compris le message. Quel message? Que je peux pas parler devant des gens sans faire rire de moi. Mais voyons, tu dis n'importe quoi. C'est pour ça que maintenant, je vais juste parler à une personne à la fois. Puis comment tu penses faire ça? Mais quand il y a plus qu'une personne, je dis rien. Tu trouves pas que tu y vas fort? T'aurais peut-être aimé ça être à ma place? Vraiment pas. Mais je peux pas lui dire. Salut les grands orateurs. Je vous cherchais, je voulais vous parler du débat d'hier. Ah ouais? Ben, si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez me les écrire pour l'année prochaine. C'est bon. Gary, je sais que ça n'a pas été facile pour toi hier, mais j'espère que tu vas continuer ta carrière d'orateur. C'est rare quelqu'un qui parle avec autant de conviction. Tu avais choisi de très, très belles citations, mais c'était peut-être un peu difficile à comprendre. Hein? T'as été très ambitieux. Peut-être trop. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on pourra s'en reparler une autre fois. Je vous dérangerai pas plus longtemps. T'es sérieux? Tu fais vraiment la grève de la parole? Ça paraît que c'est pas toi qui as fait rire de toi devant tout le monde hier. Si t'avais fait une citation que tu comprenais, personne aurait ri de toi. Mais je la comprenais. C'est juste que devant tout le monde, j'étais nerveux. Mais Richard avait dit de pas apprendre ces trucs par cœur. Si tu veux rester mon ami, arrête de m'en parler, OK? De toute façon, t'auras pas le choix de parler en public. Hein? C'est toi qui anime à la radio après les cours. Oh non! Hey, j'avais complètement oublié! Puis, comment ça s'est passé hier? Ben, mon père est parti à minuit en claquant la porte. Avez-vous eu le temps de parler de la garde? Ben ouais. Maintenant, je vais avoir deux chambres. Oh non! Je voulais tellement qu'il soit malade. T'as pas étudié? Ouais, j'ai pas vraiment eu le temps.
Dans le fond, c'est pas vraiment tricher, hein? C'est juste donner un coup de main à une amie. Inquiète-toi pas, là. Si t'as de la misère, tu regarderas de mon côté. OK, mettez vos affaires personnelles par terre. Je vous passe le mini-test. Je vous rappelle que c'est pas un travail d'équipe. J'espère qu'il se doute de rien. Ça marche pas, cet exercice poche. C'est rendu que tu te parles toute seule? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'avais le goût de venir dîner ici. Hein? Puis surtout de plus voir Karine. Céline, hein? Toi qui es si bonne en français, ça te tente pas de m'aider avec mon texte? Qu'est-ce qu'il y a? Personne va m'acheter un abonnement avec un texte comme ça. C'est trop honnête. J'ai passé la soirée au téléphone et j'ai rien vendu. Tiens, même donc. Faire plus la région. C'est vrai que c'est pas très vendable. L'idéal, c'est que les clients aient pas l'impression que je suis en train de leur vendre quelque chose. T'es étonnée de te faire accrocher au nez? Ah ben non, moi j'adore ça, me faire traiter de vendeuse de cossin. Dans le fond, je pense qu'il faut juste inverser ton discours. Comme ça, les gens vont accepter de recevoir un échantillon puis vont s'abonner sans même s'en rendre compte. Waouh, je me doutais pas que t'étais aussi manipulatrice. Il faut croire que se cache une petite délinquante en toi. Tricheuse, manipulatrice? Qu'est-ce que je vais devenir avec ces qualités-là? Je suis mieux de me surveiller, sinon c'est ça qui va m'arriver. Finalement, l'as-tu aidé, ton ami? Ouais. C'était quoi son service? Ben, elle voulait regarder mes réponses dans un examen. T'as triché! Chut! Si vous vous faites prendre, vous allez avoir zéro. Mais Marianne, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait toujours aider une amie, même pour quelque chose de grave. Mais grave, 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 comme répandre une rumeur ou mettre la craie dans le café d'un prof. Tricher, c'est un autre niveau. Salut! Je peux te demander un service? Ouais. Est-ce que tu pourrais faire mon émission de radio après les cours? C'est Lina? C'est Lina? Non! Non, je sais pas comment ça marche, puis y a trop de boutons là-dessus. Ah oh, non, mais je peux te montrer. Hein. T'es tellement intelligente que tu vas comprendre en deux minutes. Mais pourquoi tu la fais pas, toi? C'est juste que j'ai pas grand-chose à dire là, pour mon émission. Ah, c'est à cause d'hier. Il paraît que ça s'est pas très bien passé, ton débat. Non. T'es là. Ouf, sauvé par la cloche. Tu t'es presque sauvé après l'examen. Hein? Salut. Hey, c'est quoi le titre de la première chanson qu'il a joué là, hier matin? Il faut que je le sache, sinon je vais virer Paul. Tu dois le savoir, là, t'étais avec Manolo. Tu sais, l'air, là, c'était... Une chanson? Hey, je sais quoi faire pour mon émission. C'est beau, j'ai eu une idée pour mon émission. Voyons, il est bien mal élevé. Qu'est-ce que tu regardes? Richard. Où ça? Oh, oublie ça, là. Pourquoi t'as gardé la fin de l'examen pour toi? Ça
ça allait super bien. Oh. Non, mais c'est parce que Richard s'en serait rendu compte, hein. Il passait entre les rangées. Richard est trop fin pour penser qu'un de ses élèves peut tricher. Surtout toi. Qu'est-ce que tu disais, là? On dirait que mon inconscient essaie de m'envoyer un message. Ça a pas l'air d'aller. Est-ce que tu te sens coupable? Pas toi? Célina Laporte-Carpentier et Karine Blanchard sont demandées au local 307. Oh! C'est rendu que j'entends des voix! Est-ce que t'es allé dire quelque chose? T'as entendu toi aussi? Hey, panique pas, là. Non, mais Karine, moi je pense qu'on est mieux de tout lui avouer. Ben non. Moi je pense qu'on est mieux d'attendre de voir de quoi il veut nous parler. Ça a sûrement même pas rapport avec notre militaire. Écoute, Karine, j'ai beau être ton amie, moi je suis pas une tricheuse, je me sens vraiment coupable. Tu vas pas me lâcher? Affaire Plus vous offre un échantillon gratuit. Oui, madame. Non, y a rien à payer. Faut juste vous abonner pour un an. Mais ça coûte presque rien, hein? T'as changé le texte? Mais oui, il marche pas leur texte, il est pas assez accrocheur. Ben oui, mais là, c'est pas en bernant les gens que tu vas réussir à leur vendre quelque chose. Faut que tu te fasses confiance. Ben là, je veux juste leur vendre une revue plate. Là, ils vont te donner leur numéro de carte de crédit. Tant pis, là, je vais dire à mon patron que le télémarketing, c'est pas fait pour moi. Voyons, Marianne, t'as accepté un travail, faut que tu le fasses, pis comme il faut. Non, c'est pas sorcier. Ce qu'il faut, c'est s'intéresser aux gens. Mais c'est dur de les écouter quand ils te raccrochent au nez. Il faut qu'ils sentent que t'es là pour les écouter. Faut que tu sois plus mielleuse. Même moi, je l'achèterais pas, mon magazine. Ben là, c'est sûr que si tu crois pas à ton produit, tu pourras pas le vendre. C'est bien compliqué. Mais c'est sûr que si tu me faisais une petite démonstration, je comprendrais mieux. Hein? OK. Dis-moi où il faut que j'appelle. Tiens. Ça sonne. Bonjour, madame. J'espère que je vous dérange pas pendant votre heure de dîner. Ah, vous mangez seule. Ça, c'est vrai, hein? Ça grandit vite, ces petites bêtes-là. Écoutez, j'aurais peut-être une offre qui pourrait vous intéresser. Affaire Plus est pour les gens dans le vent qui n'ont pas peur de prendre leurs chiffres en main. Merci. Au revoir. Ta-da! T'as réussi du premier coup. De la douceur et de l'écoute, comme avec les enfants. Mais c'est sûr que ça m'aiderait si t'en faisais juste un autre. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Non. Moi, je pense que t'as bien compris. Bon, ben, si t'as besoin de quelque chose, je vais être dans ma chambre. Tout ce qu'il me faut, c'est 10 numéros de carte de crédit, c'est pas sorcier. Ça sera pas long. Je suis en train de corriger vos mini-tests. J'ai commencé par le tien avec tes derniers résultats. Je voulais voir comment celui-là s'était passé. Il y a quelque chose de bizarre avec ton test. Comment ça? Toute ta première partie est excellente. Mais après ça, c'est rempli d'erreurs. Je vois vraiment pas ce qui s'est passé. Ben, moi, je le sais. C'est de ma faute. Non, si t'as de la difficulté à te concentrer, c'est pas de ta faute. Je me suis renseigné, mais je sais que tu vis des moments difficiles à la maison. Alors, c'est certain que ça va avoir des impacts sur tes résultats. C'est vrai que c'est difficile d'étudier entre deux parents qui se chicanent. Si jamais t'as besoin d'en parler, ça va toujours me faire plaisir. Puis pour tes notes, j'ai pensé à une solution. Entre, Célina, on est en train de parler du problème de Karine. Je veux pas me faire envoyer de l'école, moi! La solution, c'est du rattrapage. Reviens avec Célina, puis je te refais passer le test dans une semaine. C'est vrai? Du rattrapage? Pas une retenue? Ben, je suis déçu que Karine ait échoué, mais pas au point de la punir. Si ça tente de l'aider, je pense que vous feriez une bonne équipe. C'est vraiment une bonne idée. OK, ben je reviens dans 2 minutes, vous me donnerez votre réponse. Même pas. Il sait pas. Ben non.
Karine est géniale. Qui a dit que j'étais obligée de parler pendant mon émission? Elle a pas l'air de bonne humeur. Tu fais juste mettre de la musique? Eh oui, fallait y penser. Ça fait une semaine que tu prépares ton émission. T'avais super hâte de la faire. Relax, j'ai juste changé d'idée. Gary, il va falloir que tu parles devant du monde. Pense juste à tes oraux. Comment tu vas faire? Ben, j'ai engagé un sosie. Tu vois que t'as un super bon sens de la réplique? Arrête, elle était super plate, ma blague. La radio, c'est ce qu'il y a de mieux pour parler en public. Tu vois personne. Mais c'est encore pire. Je vois même pas s'il rit de moi quand je parle. On riait pas de toi, mais de la situation. Si j'avais fait la même erreur que toi, t'aurais ri toi aussi. T'aurais même été pas mal plus baveux. Vraiment pas. Si tu parles de sujets qui t'intéressent, personne va rire de toi. Oui, mais y a pas de sujet qui m'intéresse. C'est pas vrai. T'as plein de bonnes idées. C'est vrai que j'avais le goût de la faire, cette émission-là. La dernière chanson était « Talk Anymore » des Painted Butterflies. Si vous parlez un peu anglais, vous avez peut-être compris que le sujet de la chanson est sur la difficulté de parler en public sans avoir l'air con. Si vous avez été au débat hier, vous avez eu le parfait exemple de ce qu'il faut pas faire. Mais restez avec moi parce qu'après la prochaine chanson, on va essayer de trouver ce qu'il faut faire. Bon, c'est super simple. Quand les mots composés sont écrits en un seul mot, ben tu les accordes comme un mot ordinaire. OK? C'est sûr. Comme par exemple, des passeports. Où tu vas mettre le S? Aux deux mots. Karine, tu m'écoutes pas, là. Je fais ça pour toi, moi. Ben, si tu m'avais laissé regarder jusqu'à la fin, tu serais pas obligée de jouer au professeur avec moi. Je fais ce que j'aurais dû faire depuis le début au lieu de t'aider à copier. Hey, quand Richard nous a appelés, là, moi, j'ai pensé que ma vie était finie. Merci. C'est vraiment cool ce que tu as fait pour moi. J'aurais pas dû te demander ça. Ah, c'est correct, c'est pas de ta faute, là. C'est moi qui s'étais mis en tête que de copier, c'était la meilleure façon de t'aider. Le seul avantage, c'est que je suis pas obligée de rentrer chez moi. Ah, ben, reste dans la coucher. Ça va te changer les idées? Il faut que je sois là pour ma mère puis pour Sarah. Oh, allez, là, ça va te faire du bien, hein? Puis défense de prononcer les mots séparation, chicane, puis garde partagée. OK. Oh, cool! Non, voyons donc, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Au revoir. Ah! Quoi? T'as perdu ton contrat? Non, mon patron m'a trouvé tellement efficace qu'il m'a offert un contrat d'un an. T'as une job pour un an, chanceuse. Vendre des abonnements au téléphone, Karine, c'est un cauchemar! Pourquoi t'as accepté? Je sais même pas. Il était tellement fin, là, je m'en suis même pas rendu compte. La manipulatrice manipulée. Ouais, comme une vraie marionnette. Oh!